On l'est dans la voie des pratiques. Des années passées, parfois, on construit ce corps du chi, corps énergétique, qui est fluide, qui est enraciné, qui est centré, qui est ouvert. On l'appelle le corps de volume. Le corps de volume construit d'abord verticalité au bas, et puis gauche à droite, devant, derrière, l'intérieur à l'extérieur. Donc quand on voit maître de Tai Chi Chi Kung, quand il push, on sent le centre, il est dans le yao kwa, dans la taille, dans le bassin, et le mouvement de l'intérieur à l'extérieur. Donc c'est plus un corps d'un plan, c'est un corps d'un volume, au bas, devant, derrière, gauche à droite, et l'intérieur à l'extérieur. Que tous ces mouvements spirales viennent de l'intérieur à l'extérieur, et le corps humain, il constitue un volume. Souvent, je dis 3 T. T, c'est 3 l'espace. 1, 2 et 3. Et tous les mouvements sont périphériques vers le centre, centre vers périphérique. Donc, d'un coup, la perception, le ressenti du corps sont changés. C'est plus dans notre mental pour dire, parce que le corps devient un corps poétique, un corps de communication, un corps de volume.